Salut les amis, c'est du hasard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la toute première vidéo de Skylander Superchargers sur Xbox One. Et on va vous montrer aujourd'hui, on va découvrir ensemble le mode course. Avant de commencer donc le mode aventure, on va vous montrer le du course. Donc ici on est avec le profil de ma chérie Nancy Bella. Elle a déjà joué donc au mode aventure. Et alors je vais vous montrer ici, on va aller directement au menu et on va choisir donc le mode course unique. Il y a, comme vous le voyez sur le côté, le mode contre la montre. Alors il y a également poursuite de boss, mais là il faut acheter donc un pack action terrestre, marin ou aérien, le mode coupe maléfique. Et alors, le mode coupe miroir. Et enfin, le dernier qui est disponible déjà ici, c'est course en ligne. Donc c'est assez chouette, on va pouvoir enfin faire des courses en ligne, un peu style à la Mario Kart, etc. Mais dans le monde des Skylanders. Donc ici, on va vous montrer donc le mode course normale. Course unique. Ici, comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a trois mondes. Enfin, la carte est divisée en trois parties. Donc, il y a cette partie-là, c'est la partie air. Donc, on est obligé d'avoir des véhicules aériens pour y jouer. Pour le moment, je n'ai qu'un véhicule terrestre. Donc, on va vous montrer le nom des quatre courses disponibles là. Donc, c'est Usine des nuages, Canyon calamiteux, Nid de coucou de Cluck et Horloge du Rock. À gauche, le monte marin. Donc il y a déjà deux courses disponibles, mais bon, il faut un véhicule marin. Chambre mystique, Fête des fossiles froids, Cache tropicale et le Temple d'or. Et ici, donc sur le côté terrestre. Donc il y a Jardin des Champis, qu'on peut déjà faire, et Échine du Dragon. Et les deux autres, c'est Temple d'Arcus et la Fête de l'Au-delà. Mais pour ceux-là, il faut avoir donc le pack de course action terrestre pour avoir ce circuit-là et l'autre. Donc ici, on va vous montrer dans cette vidéo les deux circuits disponibles, donc Jardin des Champis et Échine du Dragon. Donc on va commencer par le premier, Jardin des Champis. Yop. Et on va laisser en normal. Donc on sait faire la course en facile, normal et difficile. Donc en facile, vous gagnez une étoile, normal, deux étoiles et difficile, trois étoiles. Donc ici pour la vidéo, on va le laisser en normal. Et on va prendre donc le véhicule, ben on a que celui-là, Outstreak, et comme Skylander, on va laisser donc Wildfire, donc qui faisait partie du pack Skylander Trap Team Dark Edition. Voilà, c'est parti. Donc évidemment, j'ai coupé les musiques, sinon les musiques sont excellentes aussi. D'ailleurs, il y a un grand changement dans cette version, c'est que graphiquement, il est plus beau que le précédent, que le Trap Team. Il y a ce changement dans les menus. La plus grande des petites courses des Skylands. Ici, de petits concurrents s'affronteront dans des circonstances diaboliques, au milieu d'une végétation stupéfiante. Et si ça ne suffit pas, il y aura des champis géants. Et ils peuvent faire de gros dégâts. Alors, bonne chance à tous. Ah, donc vous voyez, c'est très coloré, c'est vraiment magnifique, les décors sont superbes, les animations dans les décors sont superbes. Ça fait penser un peu à... Au départ, comme ça, ça me fait penser un peu au Crash Nitro Kart, Crash Team Racing. Et aussi également avec les persos qui sont sur les bords des décors, ça me fait penser aussi à... Très coloré, franchement, les décors, les circuits sont magnifiques. Et j'ai déjà hâte d'avoir d'autres véhicules présentés et découvrir également les nouveaux circuits.
c'est façon Mario Kart quoi, il y a des caisses à attraper pour les bonus et pour donc tirer sur les adversaires. Il y a des flèches de boost. Grand classique quoi. Deuxième tour. La jauge bleue sur le côté à gauche, c'est pour savoir donc tirer sur les ennemis avec l'arme principale, l'arme de base du véhicule. Et les petites fioles bleues, ben, c'est pour recharger. Pardon. Dernier tour. Normalement, en principe, le jeu n'est disponible qu'à partir du 24. Mais moi, je l'avais précommandé et je sais pas comment ça se fait. Je l'ai reçu aujourd'hui, donc bah, je l'ai pris. Ah, franchement, le style de course me plaît beaucoup. Très agréable et tout. Maniabilité impeccable aussi. Et j'espère qu'ils feront d'autres packs également pour avoir d'autres courses supplémentaires en plus des celles qu'on a vues au début, donc même celles qui sont bloquées. Je pense que ça serait chouette qu'ils fassent un Skylander spécifique en jeu de course. Parce qu'ici, bon, c'est des modes de jeu en plus, mais sinon il y a le mode aventure normal, quoi, le mode aventure basique. Qui a, bien sûr, il y a des courses dans le mode histoire même, mais bon, ce n'est pas que des courses, quoi. Voilà, ici, donc on est deuxième. Oups. On va continuer. Et on va choisir donc l'autre circuit. Youps, Échine du Dragon. Et on va le faire en normal également. Par contre, sur le portail, il y a l'emplacement pour mettre des pièges. Donc dans l'unboxing, j'avais indiqué pour mettre les trophées, mais c'est pas ça du tout. C'est pour mettre les pièges, mais je ne sais pas si... Je n'ai pas encore testé en fait, si c'est pour mettre... Cette montagneuse abrite des serpents innombrables. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Les forces de chaos envahissent la zone. Si jamais ils réveillent les reptiles, les ennuis vont commencer. Franchement, l'intro des circuits est magnifique. Donc je disais l'emplacement pour mettre les pièges, je ne sais pas, j'ai pas testé, mais je me demande si c'est pas pour utiliser les ennemis qu'on a capturés donc dans le trap team. Ça, on testera une fois et dans une prochaine vidéo, je vous dirai quoi. Donc, encore un circuit franchement très coloré, magnifique. Les boucliers qui font un peu penser aux boucliers de Zelda. Pas de Link.
Regardez-moi ça, la tête du dragon, là, franchement, superbe. Un peu plus long celui-ci. Constater, dragon rajouter de la glace sur le côté du tracé. On essaiera par après donc d'acquérir d'autres véhicules, mais bon, ils sont pas pour rien non plus. En général, entre c'est pas 15 euros le véhicule. Oui. C'est entre 15 et 17 euros, ça dépend les endroits. Donc pour un véhicule. Et alors il y a des packs de plusieurs véhicules apparemment aussi, comme dit. Ah oui, les packs. Ouais, le pack marin, pack aérien et tout ça. Donc il y a un véhicule, un trophée pour d'autres circuits et un pilote. Et c'est une quarantaine d'euros. Par contre, ce qu'on a constaté ici en essayant, c'est qu'on peut utiliser donc le Skylander, du moins ceux du Trap Team. Donc ici, on a essayé et on peut donc les essayer sur, enfin les utiliser avec les véhicules du Superchargeur. Donc ce qui est assez sympa quoi, on n'est pas obligé de prendre le Skylander associé à tel ou tel véhicule. Heureusement, parce que sinon ça reviendrait cher dès le départ. Voilà, donc ici on est premier. Ben on va arrêter là pour cette vidéo, c'était juste donc pour vous présenter les deux circuits de base sur lesquels on peut jouer dès le départ. Donc je ferai d'autres vidéos pour le mode histoire, et s'il y a d'autres modes disponibles, on les fera aussi en vidéo. Donc sur ce jeu, on fera évidemment un let's play, on continuera aussi celui qu'on avait commencé sur Skylander Trap Team Dark Edition. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne rater aucun autre épisode de Skylander Supercharger, c'est d'autres titres également, donc Forza Motorsport 6, etc., etc. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, ciao ciao.